Je suis avec Monsieur Kamel Saouchi, qui est le coach du Paris FC Handisfoot, qui est un club professionnel parisien de footballeurs amputés. Monsieur Kamel Saouchi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ça me fait plaisir. À quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques Paralympiques, j'imagine que c'est un moment que vous attendez en tant que sportif de haut niveau et coach d'une équipe de footballeurs handicapés. C'est vrai que c'est un moment qu'on attend depuis un moment. Malheureusement, notre discipline de football pour amputés n'a pas été retenue. C'est le Cécifoot, nos malvoyants, avec Ivan, qui est le capitaine de l'équipe de France des malvoyants, qui vont participer à ces JO olympiques, paralympiques. Et entre-temps, peut-être, nous allons faire une démonstration. On est en train de voir avec Tony Estanguet, le président du comité des Jeux olympiques, pour qu'on puisse faire une démonstration éventuellement au Stade de France de notre discipline. Pendant les Jeux. Pendant les Jeux paralympiques. Ou après l'ouverture, quoi. Tout à fait. Ben, ce serait formidable. Expliquez-moi un peu ce sport, l'esprit de ce sport handifoot. Comme je le disais, le football amputé, cette discipline est juste extraordinaire. C'est des garçons qui ont été amputés lors d'un accident de voiture, maladie, pour d'autres cancers, malformations. Donc il y a deux formes d'amputation, tibiale et fémorale. Tibiale, dans leur malheur, ils gardent leurs genoux. Fémorale, c'est qu'ils n'ont plus du tout de jambes. Une prothèse coûte entre 35 et 45 000 euros. La plupart des joueurs courent entre 17 et 19 km/h sur une seule jambe. C'est juste extraordinaire, le mot résilience en équipe de France ou bien en Paris FC, c'est juste quelque chose de formidable. Il faut savoir que quand on pose la question en quart de finale en 2022 contre Manchester City, si demain vous avez la possibilité de récupérer votre jambe, est-ce que vous accepterez cette nouvelle jambe ou vous la refuserez? 99% des joueurs n'accepteraient pas cette nouvelle jambe parce qu'ils n'auraient pas été ce qu'ils sont aujourd'hui. Attendez, on va se poser sur cette question-là. Vous dites que des joueurs qui se sont reconstruits grâce à cette discipline, si on leur donne une baguette magique pour leur refaire une vraie jambe, ils préfèrent rester comme ils sont parce que ce sport les a reconstruits. Exactement, et je me suis trompé pour la genèse, c'est pas 99%, pardon, c'est 100% des joueurs de l'équipe n'accepteraient pas cette nouvelle jambe. Le mot résilience en équipe de France et au Paris FC veut dire beaucoup de choses. Ces garçons se sont reconstruits grâce à ça. Et aujourd'hui, jouer une Coupe d'Europe, une Ligue des Champions, une Coupe du Monde, voyager, dernièrement nous étions à Abidjan lors de la CAN. On va venir à votre voyage. On va venir à votre voyage. Ça a été mon coup de cœur. C'est votre coup de cœur. Ouais, Abidjan. Je reste sur ce sport. Votre club, c'est un club professionnel. Qu'est-ce que ça implique? Il y a un championnat, il y a des compétitions internationales. Oui, on a 5 équipes en France. Il faut savoir que Paris a été 4 fois champion de France. Et un petit clin d'œil, je tenais à remercier M. Ferracci, président du Paris FC, et Patrick Gobert, qui ont cru en nous et qui ont ouvert cette section l'année dernière. Premier club de l'histoire en France à avoir ouvert une section handi-foot pour des personnes en situation de handicap, c'est juste extraordinaire. Aujourd'hui, on a le blason du Paris FC, un club professionnel, et on part très prochainement en Ligue des Champions au mois de septembre pour affronter les plus belles équipes européennes. On a été dans les 8 meilleures équipes européennes, dont le Paris FC. Et vous allez bientôt, c'est un match amical, rencontrer l'équipe nationale belge. C'est ça, tout à fait. Le Paris FC jouera le samedi 14 septembre à Dammartin-Gouëlle dans le 77 en Seine-et-Marne. Il y aura énormément de monde. C'est dans la région parisienne vers Roissy. C'est pour nos amis ivoiriens qui ne connaissent pas forcément la géographie locale. C'est ça. Et le dimanche 15 septembre, on jouera à Lagny-sur-Marne où il y aura énormément de monde aussi qui viendra, des personnes qui viendront nous rencontrer. Il faut savoir que Raymond Domenech, coach de l'équipe de France en 2006, finaliste de la Coupe du Monde, était présent à Dammartin-Gouëlle. Il devait rester 30 minutes. Il est resté plus de 2h30 avec nous. Il avait les larmes aux yeux en voyant ses joueurs courir à plus de 18 km/h. Et je tenais à faire un super cadeau à votre chaîne, à votre radio et à tous les Ivoiriens et à tout le peuple africain, l'Afrique noire, Maghreb. J'invite toutes les personnes gratuitement qui regarderont cette émission à venir assister au match gratuitement le samedi 14 septembre et le dimanche 15 septembre à Dammartin-Gouëlle et à Lagny-sur-Marne. Et ils seront tous mes invités. C'est un vrai plaisir de les accueillir. Et aussi remercier aussi une personne qui nous accompagne dans cette cause de l'handicap et qui donnera le coup d'envoi du match le samedi 14 septembre, c'est M. Kenneth Johnson, où depuis plus de 20 ans, il œuvre aussi pour la cause et ça a été aussi une très belle rencontre. Et dans la vie, on fait que des belles rencontres. Et Kenneth Johnson, ça a été une très très belle rencontre et je sais qu'on va faire beaucoup de choses ensemble. Écoutez, vraiment merci pour ce cadeau. Vous êtes un homme de cœur, ça se voit. Et justement, je voulais vous demander pourquoi et comment vous avez été amené à embrasser cette cause. Vous-même, vous n'êtes pas handicapé,
Comment êtes-vous arrivé? Vous êtes un manager, un coach, un professionnel du football. Pourquoi cette cause-là, vous l'avez embrassée? Je l'ai dit au départ, le postulat de départ, c'est que l'handicap peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment de sa vie. On le sait tous. Autour de nous, on a tous des personnes que nous connaissons qui sont en situation de handicap. 70% sont des handicaps invisibles. Moi-même, je suis une personne en situation de handicap RQTH. Depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que ça signifie ? RQTA, c'est une reconnaissance de travailleur handicapé qui a été reconnue par la MDPH. Donc c'est vrai, je fais 2m05, je fais 115 kg, je suis sportif de haut niveau, mais j'ai eu un grave accident qui m'a handicapé. J'ai été hospitalisé pendant très très longtemps et aujourd'hui je suis esquinté de l'intérieur. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu, à mon côté, aider ces personnes en situation de handicap. Parce qu'il faut savoir que nous faisons des sensibilisations à l'handicap dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, dans les CESAD, dans les IME, dans les prisons de France, pour sensibiliser la jeunesse à l'handicap. L'handicap n'est pas souvent visible, elle est souvent invisible, et j'en fais partie de ces personnes-là, et on est plus de 70% à l'être, malheureusement. Alors, parlez-moi de votre voyage à Abidjan. Ah. Votre coup de cœur, comme vous avez dit. C'est mon coup de cœur de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré des personnes formidables. Et nous avons passé 12 jours où nous sommes partis à la CAN, nous avons eu la chance de voir la demi-finale et la finale. Nous a été avec vos joueurs ? Avec 5 joueurs de l'équipe du Paris FC, où nous avons rencontré l'Afrique du Sud, certains joueurs des éléphants. Nous étions logés dans l'immeuble de Yaya Touré, à Abidjan même. On courait dans la capitale, et pour le peuple ivoirien, voir des personnes amputées courir sur une seule jambe à 40 degrés, c'était juste extraordinaire. On était applaudis dans la rue. Et c'était vraiment un moment très très fort. On a fait des belles sensibilisations dans des établissements scolaires à Abidjan. Vous avez fait de la démonstration, des démonstrations ? Oui, oui, tout à fait. Dans des écoles ? Dans des écoles, dans un stade de foot où les gens étaient juste abasourdis. Si tu veux ma place, prends mon handicap. On demandait au club ivoirien de faire des jonques sur une seule jambe. Nous, on en fait 50, 60. Ils n'arrivaient pas à en faire 3 ou 4. Donc, ils ont eu la vraie difficulté d'être en situation de handicap. Et c'est un moment extraordinaire. Et en même temps, de voir la capacité à surmonter cela. Tout à fait. Tout à fait, parce que le handicap, c'est le côté positif. Il faut savoir que la plupart des joueurs ont des douleurs qui s'appellent les douleurs fantomatiques. Ils ont l'impression d'avoir toujours leur jambe, mais cette jambe n'existe plus. Donc souvent, certains joueurs se grattent, ce qu'on appelle les douleurs fantomatiques. Et la douleur de 1 à 10, elle est souvent à 10. Et c'est très aussi compliqué de gérer ça, mais ils arrivent à le gérer mentalement, et ça, c'est vraiment une force. Et puis, vous avez rencontré le comité olympique ? Comité olympique et paralympique, et ça a été un moment très fort de notre séjour. Il faut savoir qu'il est recensé, c'est important de le dire, plus de 1500 personnes sont amputées à Abidjan, et on en a beaucoup plus. Et le comité paralympique et olympique nous ont reçus, et ça a été un moment très très fort. Et j'ai décidé, en tant que coach et sélectionneur national, d'ouvrir une section avec ce comité directeur, parce que moi je ne sais pas faire, c'est une équipe, on est tous ensemble, et de venir à Abidjan très prochainement rencontrer le ministre des Sports. J'espère que M. Kenneth Johnson m'accompagnera sur cet événement-là, et vous-même. Et d'ouvrir une... Nous serons là. Il faut nous avertir, nous serons là. Merci. Et d'ouvrir une section et une équipe nationale à Abidjan, en Côte d'Ivoire, recenser toutes les personnes amputées, et je viendrai bénévolement avec mon staff créer cette section et créer cette équipe nationale à Abidjan. La seule chose que je demande au club de la Côte d'Ivoire, c'est un bon repas. Et je sais qu'ils ont une spécialité qui est le... La tchéké poisson. La tchéké poisson, j'ai beaucoup aimé. Un bon garba. Défraiement que je demandais, un tchéké poisson. Parce que je pars du principe que l'argent n'est rien, ce qui compte c'est la vie. Et on n'est que passage sur terre, et si on peut apporter un peu de bonheur à ces personnes en situation de handicap, je le ferai avec grand plaisir. Et je sais que je le répète souvent, parce que c'est aussi un garçon extraordinaire, un monsieur extraordinaire, monsieur Kenneth Johnson, sera là aussi pour nous accompagner dans cet événement-là. Écoutez, on va faire en sorte, en tout cas, que le ministre des Sports de Côte d'Ivoire écoute ce que vous venez de dire, et je suis sûr qu'il fera tout pour que ça aboutisse et qu'on puisse créer cette section Andy Foot à Abidjan. Ça serait vraiment un rêve pour l'Afrique, pour l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, et ça serait une vraie fierté. Et là, je vais être un peu égoïste à titre personnel, et c'est un rêve que je veux, que je veux qu'il se réalise, et je voudrais que mes enfants, parce que j'en ai 7, j'ai une grande famille aussi, je voudrais qu'ils soient fiers aussi de leur papa et de dire on l'a fait en Algérie, on l'a fait au Maroc, on est en train de le faire en Tunisie, et c'est de le faire aussi à Abidjan, Côte d'Ivoire, et ça serait pour moi un moment merveilleux de le faire. Ils le sont déjà, c'est évident. Merci Kamel, merci Monsieur Saouchi, merci pour votre enthousiasme et pour votre grand cœur. C'est moi qui vous remercie.